Salut! Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale puisque je ne suis pas tout seul. Salut les amis, c'est Fred de la chaîne Guitare Facile. Salut, c'est Ben de la chaîne Power Chord. Salut à tous, moi c'est Eric Le Gauthier, Galego Music. Salut, c'est Lazy Lagan de la chaîne YouTube et du site internet hguitar.com. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai une petite surprise pour vous. Mais avant, vous allez tout de suite vous abonner à leur chaîne. Je vous mets tous les liens dans la description. Faites-moi confiance, allez-y les yeux fermés. Abonnez-vous, je vous laisse 5 secondes. C'est bon? Alors on continue. Comme c'est l'été, on a décidé de vous donner nos astuces et les morceaux qu'on jouerait à la plage. Alors je vous laisse avec Lazy, Fred, Ben et Eric. Et moi je vous retrouve juste à la fin de la vidéo pour vous donner mon morceau et puis la petite surprise. Allez, à tout de suite. Ce que je jouerais sur la plage, c'est Je veux du soleil au petit bonheur. Ça me rappelle de super souvenirs. Si vous souhaitez prendre votre guitare sur la plage cet été, eh bien je vous conseille de bien réviser vos classiques, c'est-à-dire ce genre de morceaux, qui passeront un peu partout. Mais une bonne chanson prend tout son sens quand elle est jouée au bon moment, mais surtout pour la bonne ambiance de potes. Seul sur la plage, les yeux dans l'eau. Attendez les gars, non, je connais plein d'autres morceaux, je connais du AC/DC aussi. Si par exemple vous souhaitez faire tomber les filles comme des mouches, regardez ce type de répertoire de lover. Là, je vous garantis, vous allez marquer des points. Seul sur la plage, les yeux dans l'eau. Une fois qu'elles seront toutes folles de vous, lâchez-vous un peu et montrez votre vrai visage. Seul sur la plage, les yeux dans l'eau. Rien ne pouvait être trop beau. Une nuit d'amour et tu partiras. À 100 000 lieues de moi. J'espère que vous mettrez l'ambiance cet été sur la plage et pourquoi pas, peut-être trouver le grand amour, vous savez, celui avec un grand H. Je vous souhaite bon été à tous. Salut les guitaristes! Si je devais jouer quelque chose sur la plage, ce serait Something Just Like This de Coldplay. Pour trois raisons. Premièrement, c'est un morceau récent. Deuxièmement, les accords sont très simples, il y en a que deux. Il y en a un troisième sur le refrain. Et en plus, c'est une chanson d'amour. Et sur la plage, les chansons d'amour, ça fonctionne plutôt pas mal. Listen where you wanna go, how much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gift. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I was something just like this. Do-do-do-do-do-do. I was something just like this. Do-do-do-do-do-do. Oh, I want something just like this. Je choisirais le morceau Summertime Blues, un morceau dédié Cochrane, que quand vous êtes sur la plage, il faut soit des balades, en gros des slow, ou bien du rock. Enfin, en tous les cas, moi j'aime bien parce que ça file la patate, tout le monde peut participer même s'il connaît pas le titre du morceau, c'est pas grave, il y a l'énergie. Et puis ça présente bien quoi. Et puis coup de peau, bah, j'ai déjà fait un tuto sur ce morceau. Alors le mec il fait sa propre pub en étant invité sur la vidéo de quelqu'un d'autre. La classe. Allez, merci Clément et bonne plage à vous. Salut. Donc moi à la plage, j'aurai Safe Tonight des Eagle Eye Cherry. Puisque c'est un morceau que tout le monde connaît, qui reste dans la tête pendant des heures, qu'on peut tourner en boucle et qui bouge quand même pas mal. Ça donne ça. Save tonight and find a break I've done. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and find a break I've done. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Pour vous remercier d'avoir regardé toute la vidéo et puis de vous être abonné à leur chaîne, je voulais vous offrir un accès complet à toutes mes méthodes. Donc, une personne sera tirée au sort parmi celles qui auront commenté sa vidéo en donnant le titre de la chanson qu'elle jouerait à la plage.
qui auront laissé un pouce vers le haut et qui se seront abonnés. Voilà, je tirerai quelqu'un au sort et puis je vous recontacterai pour vous donner des identifiants, pour vous donner un accès à toutes les méthodes. Encore un grand merci à Eric, à Ben, à Fred et à Lézy d'avoir participé à cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cours. Salut !